Covid-19, votre destination serait l'Afrique, et d'autant plus que c'est l'année de la jeunesse. Le premier forum, on a vécu aussi intensément, c'était le Thinking Expo, on l'avait fait au CEPEX. Pourquoi l'étranger? Parce que justement, aussi, l'un de nos buts, de nos visions et de notre programme, c'est l'export. Innover pour mieux exporter. Innover quoi? Innover le produit en lui-même. Innover la façon de faire et la procédure, qui reste un peu archaïque, on se le dit. Alors, on a tous les droits de le dire. Et la destination. La destination, on voulait changer. D'où la raison pour laquelle on a choisi des pays qui ne sont pas une destination classique. À savoir, on a choisi l'Afrique. Et là, on a plusieurs cellules en Afrique qu'on est en train de constituer. Et d'autres qu'on a déjà constituées. À savoir, le Gabon, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal. Et d'autres qui vont venir, le Congo aussi. Mais aussi, on a choisi la Corée du Sud, le Japon et l'Indonésie. L'Afrique aujourd'hui, on est l'Afrique. Nous sommes des Africains et cette destination, nous y sommes habilités beaucoup plus que quiconque. Donc, on doit développer cette destination ou bien ce continent qui est le nôtre aussi. Alors, on sera à l'Abidjan du 26 au 28 au sein de ce forum. La délégation va comporter une cinquantaine de femmes, de participants toutes sivoises. L'industrie, ça va être notre priorité d'ordre majeur. Il y aura des femmes de haute envergure, à savoir Aïcha Alu, qui est aussi notre sponsor. Je voudrais saluer dans la même occasion les sponsors, justement, la STB, et je voudrais bien qu'on applaudisse. Et la Poste qui nous a vraiment, vraiment, vraiment surpris avec de nouveaux produits, et je donnerai la parole juste après aux deux partenaires pour parler justement du digital et de l'export. Donc, il y aura le service, il y aura l'industrie, il y aura le commerce, il y aura la technologie, le high-tech, c'est ça ? Le high-tech, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y aura les experts comptables, il y aura les bureaux de consulting et d'avocatie.